Bonjour, grand moment pour moi, j'assiste à la mise à l'eau d'un bicylindre Stirling. Daniel, tu peux m'expliquer comment tu as fait la transmission? Parce que autant le Stirling on connaît, c'est un moteur air chaud que vous pouvez voir fonctionner ici derrière les cheminées. Mais aujourd'hui, à l'instant, l'hélice ne tourne pas. Donc tu as dû construire quelque chose. Ah ouais. Tu vois, le système là. Oh là là. Ça va suivre. On n'est pas là, on est au sens. Je peux vous dire qu'il est très 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 rare de voir des bicylindres Stirling et encore plus dans un bateau. Donc je remercie sincèrement Daniel qui a eu la gentillesse de venir d'Annecy pour nous montrer ici à Cabario son bébé en évolution. Est-ce que tu peux revenir parce que ma caméra malheureusement ne me permet pas de faire des prises de vue à distance. Et Londé qui vient frimer là. Salut Londé! Bon. Le bateau s'appelle le Glasgow, c'est une chaloupe. Hein. Donc Stirling. Stirling Tug, pardon. Stirling Tug. Je veux bien que tu me refasses la marche arrière, hein, parce que c'est vraiment formidable, que je vois bien le système. Vas-y, fais-moi une marche arrière là. Regardez le plateau qui se décale. Je mets la main pour protection, s'il y a quoi que ce soit, hop, voilà. Hop, le plateau a changé de position, le bateau réavance. Il est chauffé avec quoi? Méthanol. Méthanol, d'accord. Carrément. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Ah oui? Il pèse combien? 3 kilos. 3 kilos quand même? Ah oui. Ah ouais, c'est un vrai bébé, hein. Le Stirling Tug. Écoute, je suis vraiment, vraiment très fier et très heureux de pouvoir partager cette... petite vidéo. Attention, attention les amis. Oh là 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 là. Bon là t'es à fond hein, évidemment. Je vais pas dire fais-moi une vague d'étrave mais. Pas vraiment à fond. Tu pourrais aller un peu plus vite et revenir vers moi? Eh ben oui mais. Allez. Il faut que je. Prends l'élan. Non, pas ça. Il faut que je vois où est plateau. Tu vois? D'accord, ben, écoute, hein, vois ton plateau. Bon, voilà. Regardez ça. Là il avance. Décale un ouais. Peu. Ça va plus. C'est pas ridicule du tout. L'hélice fait quel diamètre hein? On dirait 20-30 mm, non? 35 mm déjà. Hein? Allez, reviens qu'on monte. Faut vraiment attends, montrer. Je vais passer les bouées là-bas. Allez, allez, passe les bouées. Le parcours. Ah. Ouais, mais là, là, je te vois plus là. Tu me vois plus? Bah non, parce que ma caméra, malheureusement, me permet pas de faire des vidéos très loin. Pardon? Elle est trouble. Dès que j'essaie de zoomer, ça trouble. C'est pour ça que... Bonjour, allez, vas-y. Je vous fais une vidéo concernant le Stirling de monsieur. Absolument. Daniel Brouard. Ah, je ne cite pas les noms, je ne cite que les prénoms. Daniel B. Enfin, tout le monde connaît Daniel B dans le monde de la vapeur, donc ça n'a aucun intérêt, mais par principe, je respecte. Allez, reviens vers moi, Daniel B. Ça marche rien. Ah ouais, il faut vraiment qu'on remonte le plateau, le système de plateau, si ça peut donner des idées. Sur le forum Blow, notamment, qui est un grand forum pour les Stirling que tu connais peut-être. Le Blow, un forum qui s'appelle Blow, BL4O. Oui, oui, Blue. Blue. Moi, je dis Blow. Hein. Et je pense que cette vidéo les intéressera fortement. Et ouais, j'espère qu'elle les incitera à faire la même chose. Parce que... Regarde, ça tourne. Oh, c'est génial. Hein. Il y a de la zone, mais... Allez, vas-y, fais-moi une marche avant, là, que je vois le plateau. Hop là, le plateau. Remarche arrière. Vas-y, fais-moi bouger les plateaux pour qu'on voit vraiment. Voilà, vous voyez les gens? Le principe. Dans un sens ou dans l'autre. Ah ouais, je le vois bouger légèrement. Ah oui, trop légèrement aussi. Ah non, mais tout est savamment calculé. Hein. Tu as une autonomie de combien avec ton... Une demi-heure. Hop. Bon, bah la vidéo ne durera pas une demi-heure. Hein. Puisque tu t'en vas comme ça, bah, je vais dire à mes amis... Au revoir les amis. Parce qu'en plus, c'est l'heure de l'apéro. Au revoir, les amis.